N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je t'avais pas vu depuis la bataille du Bosquet. Comment ça va, toi ? Je t'ai vu voler sur les ailes des Dix et paralyser l'armée de Regala avec la foudre. Je dirais que je suis... inspiré. Merci. C'est plutôt moi qui devrais te remercier. Il y a quelque chose dont je voudrais discuter avec toi. C'est... personnel. Si tu as du temps devant toi. Tu as dit que tu voulais me parler de quelque chose ? Gaïa m'a dit que les Zéniths fusionnaient métal et chair pour se rendre encore plus fort. Accepterais-tu de m'aider à faire de même ? Tu veux te fabriquer un nouveau bras ? Ouais. Gaïa m'a assuré que je pouvais en construire un si je rassemblais les données et matériaux. Elle pensait qu'on pourrait les collecter là où Beta se cachait des Zéniths. Le laboratoire des Anciens. Je connais pas la machinerie de l'Ancien Monde aussi bien que toi. J'aurais besoin de ton aide. Ça pourrait être dangereux. Les Zéniths surveillent probablement encore ce lieu. On a eu de la chance de s'en sortir l'autre fois. Je vois. Mais je pense que ça en vaut la peine. Par les Dix, nous irons jusqu'au bout. Je dois partir. Mais je présenterai bientôt le plan à tout le monde. C'est compris. Je te préviens quand j'arrive près du labo. On va trouver tout ce qu'il te faut pour ton nouveau bras. Merci, Aloy. Le labo des Zéniths est dans le coin. C'est là que Kotalo pense qu'on trouvera les pièces pour son nouveau bras. Il faut qu'il sache que je suis là. Hé, hey, Kotalo ? Je suis au labo des Zéniths. Tu peux me rejoindre ? J'arrive tout de suite. Aloy, merci d'être venu jusqu'ici. Ravi de t'aider. Est-ce que Gaïa a expliqué où il fallait chercher dans le labo des Zéniths ? Elle a parlé de la salle où tu as trouvé Beta, et de la base de données qui s'y trouve. Elle dit que ça nous aidera à trouver le savoir et les composants nécessaires pour mon bras. Eh ben, c'est mieux que rien. Il vaudrait mieux ne pas traîner, au cas où les Zéniths surveillent. C'est compris. Le labo est par là. Est-ce que ça va ? Ça ira. Elle récupère les pièces des spectres. Est-ce qu'on s'en débarrasse ? On peut aussi passer discrètement. À toi de voir.
Attention! Elle reste dangereuse, même endommagée! D'accord, on fonce. Entrer dans le labo par ce tunnel. Viens. L'ennemi a fait ça? C'est dur à croire, mais oui. Ennemi droit devant. D'avancer. La salle dans laquelle on a trouvé Beta se trouve juste après. Passe devant. On y est. Maintenant, on doit trouver un moyen d'accéder à la base de données dont parlait Gaïa. Varl a dit que tu avais trouvé Beta dans une de ces capsules. Je détesterais être enfermé là-dedans. J'aurais l'impression d'étouffer. Je crois que j'ai trouvé ce qu'on cherche. J'espère qu'on trouvera les réponses qu'il nous faut. Je vais charger la base de données dans ton focus, tu pourras la consulter plus tard. Et où sont les composants? Ils devraient être quelque part au... des spectres. Combat avec honneur! Les Zéniths risquent d'envoyer des renforts. On doit se dépêcher et partir au plus vite. Les composants devraient se trouver quelque part au deuxième niveau. Je te suis.
On va devoir fouiller tout l'étage. Je vais faire le guet. Je préfère éviter d'autres surprises. Bonne idée. Une ventilation. Je devrais pouvoir sortir de cette salle. Les composants sont forcément dans le coin. Dis-moi que les composants sont là-dedans. Parfait. Je dois retourner voir Cotalo pour lui donner ça. Tu as trouvé les composants ? Vois par toi-même. Je te remercie, Hanoï. Qu'y a-t-il ? Je me demandais ce que j'allais ressentir une fois le bras construit. Est-ce que je serais différent ? Plus complet ? C'est stupide. J'y réfléchirai quand nous serons rentrés. Je te rejoins là-bas. Je vais peut-être rester encore un peu, voir s'il y a des choses utiles. Comme tu veux. J'ai hâte de pouvoir assembler ce qu'on a trouvé. Marche avec les 10. Gala n'est plus à leur tête, mais elle a bien formé ses rebelles. J'espérais pouvoir te parler. Je suis à ta disposition. Tu voulais me parler de ton bras ? En effet, il me faut l'essayer. Et je voudrais que tu sois là. D'accord.
Comment tu veux faire ? Pas comment, mais où. Tu me rejoindrais au site du frappe-défense de Regala, là où la rivière fait un coude. Oui, si tu veux. Mais je suis pas sûre de comprendre. Tu verras quand on y sera. Je te le promets. Je te dirai quand je serai dans le coin. Je te remercie, Aloy. Comme je te l'ai dit, je te ferai signe près de l'ancien avant-poste de Regala, vers le rempart. Que les 10 guident tes pas. Je crois que c'est là que Kotalo voulait essayer son nouveau bras. Je sais pas ce qu'il a en tête. Je devrais le contacter, pour lui dire que je suis là. Hé, Kotalo, je suis au site du frappe-défense, où on devait se rejoindre. Ça te dit de tester ton nouveau bras ? J'arrive tout de suite. Merci d'être venu. Tu vas enfin pouvoir me dire ce qu'on fait ici ? Non, pas tout de suite. Viens avec moi. J'en connais un qui fait beaucoup de mystères. Tu as pris ton temps avant de me dire ce que tu comptais faire pour le rempart. À mon tour de faire le malin. Je comprends. Nous y sommes. Et on est où exactement ? Tu vas voir. Viens. Ok, dis-moi tout, Kotalo. Je veux tester mon bras. Là-dessus. Elle menace la vallée depuis un moment. Le clan du ciel a beaucoup souffert. Mais c'est fini. Je suis ravi d'aider. Après toi. Voyons si cette chose aime le goût du métal. Thank you.
crois qu'on peut dire que ce nouveau bras marche bien. Ça, oui. Pourquoi tu l'enlèves, alors ? C'est la personne que je suis. Que je suis devenue. Et ce bras n'est pas... moi. C'est un costume. Je l'utiliserai le moment venu. Et si je peux m'en passer, je préfère être juste moi. Tu as pris la bonne décision. Je te remercie de m'avoir accompagné. Tiens. En souvenir de notre victoire. Merci. On se voit plus tard. Que les 10 te protègent. Cette vidéo vous a plu ? Dans ce cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement, sans oublier la petite cloche des notifications. Avec Jeminju Channel, vous aurez des vidéos de qualité à vous mettre sous la dent. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une future vidéo. À la prochaine !